Le master, c'était incroyable. Bien le bonjour à tous. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien. Vous l'avez vu sur le titre de la vidéo, on est super content d'être ici. On est à Cannes-Mougins. Pourquoi c'est Tom ça. Pour le plus gros tout bro versus pro. Parce que juste derrière, il y a Romain Langasque. Qui a accepté de nous voir faire des bogeys. Mais vous l'avez vu, on l'avait mis ici sur la National Golf League, on avait tapé quelques drives. Mais là, il veut quand même nous montrer sur un parcours ce que ça donne. On se retrouve à Cannes-Mougins. C'est ça, pour un 9 trous. On part sur un 9 trous. On part sur un 9 trous. Un tout bro vs pro. Je te rappelle les règles, on est tous les deux en scramble. On va sûrement partir des jaunes d'abord. Toi, 9, c'est si ça se passe bien. Ah. Pour le rappel, parce qu'il y aura peut-être des gens qui n'ont jamais vu notre chaîne. Je suis 17 d'un ex, Tom. Je suis autour de 9-10. On est deux frères et l'objectif c'est de réussir à battre Romain en scramble. Et on va voir ce que ça donne. C'est parti pour l'échauffement. Allez. Et ça va être sympa. Bon, Tom, ça se met en canne là? J'entends les contacts à côté. Ouais. Pas les mêmes clubs que nous en fait. Alors, ça fait quoi de taper avec Romain Langasque en face de moi? Un petit peu, tu vois, mais c'est de la bonne pression, c'est cool. Voilà. C'est la caméra. Hein. Ouais, c'est la. J'ai pas trop l'habitude non, de la caméra. Si l'appareil fonctionne, c'est grâce au monsieur qui est juste là. Caddy Master. Voilà, et ben merci beaucoup, c'est grâce à vous. Je vais en parler un petit peu. Parce que petite anecdote. Il est parti où? Par contre, le 1 il est où? Le 1 il est où, s'il vous plaît? Le trou numéro 1. Là-bas, ils sont. Là, merci. oui, du coup, on a fait tomber la caméra au moment où on est arrivé sur le parking de Cannes-Mougins. Franchement. Non, mais juste, ça fait deux ans qu'on a cette chaîne YouTube. Elle et ça jamais fait... tombé, le jamais... Ronin n'est rien, tout se passe très bien. Et là, le truc se décroche tout simplement, pouf. Mais on a réussi à trafiquer quelque chose grâce justement au Caddy Master. Normalement, vous devriez bien nous voir. Les amis, on en reparle, Tom. C'est incroyable ce qui va se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est assez fou. C'est complètement. Ah, il putte quand même avant la partie. Ah. Allez, Tom, rentre ce putt. C'est ça qui va nous sauver. Allez. Ça roule là. Ça roule. Ça, je rate jamais ça normalement. Ouais, parce qu'à mon avis ça roule plutôt bien là quand même, non? Allez Tom. Oui. Là il est dans la game là. Il rigole, il se fout de notre gueule Romain. C'est pas un jeu, là, c'est rigoler. En fait ils ont. Ouais, tu vois qu'il y a sa dos quand même. Ouais, j'essaye de visualiser un petit peu. C'est Willy le tout là ou... Je connais sa méthode d'échauffement. Ah, je rate à l'échauffement et je les enquille en compète. Autrement, ça n'a aucun intérêt. Donc attends, avant de commencer. Pour sauver le double bogey. Yes. C'est quoi? C'est période creuse là? T'as bientôt des tournois? T'as... Là, je reprends la semaine prochaine du coup, ouais. Ok, et c'est où? C'est en Espagne, à Luminé. Ok. Et on a trois tournois, on a celui-là, après PGA Catalunya et après British Masters. Dans 3 semaines, tu joues British Master. Ah, ok. C'est bien propre. Ouais, c'est un, vraiment, encore une fois, c'est un réel plaisir de faire ça avec toi. C'est, on en a reparlé dans la voiture, c'est trop cool. C'est vraiment un grand plaisir. Et puis, trop cool. On va essayer de rigoler et puis on te posera des questions un petit peu sur aussi comment. On va pas rentrer dans des débats philosophiques, mais comment tu vois un peu ton approche du golf, ce genre de choses-là. Moi, je suis open. Moi. C'est notre moment. Hein. C'est notre moment de briller là. Allez, c'est parti. Là, en fait, je pense que j'ai un putting de 1000 mètres carrés. Ah mais je me suis dit, c'est immense ce qu'ils sont en train de faire là. Oh, 1000 mètres carrés pour péter Tom. Ça fait beaucoup de place quand même. Hein. Ça fait beaucoup de place. Tu peux faire beaucoup de trompettes. Exactement. T'as l'habitude quand même de faire des parties comme ça, entre guillemets, je dis bien, pour le plaisir. Ouais. Tu vois, pour entre potes, en dehors des compètes. Est-ce que tu continues à jouer au golf comme quand t'étais petit sans avoir de... Pas plus tard qu'hier. Ouais. Hier, j'ai joué avec des potes à moi qui sont restaurateurs. Ouais. Ils sont comme vous. Hein, peut-être même moins bien que vous. Ouais. En fait là, le matin je m'entraîne avec Mathieu, mon coach, okay. Je passe entre 2 et 3 heures avec lui. Ok. Et après l'après-midi je fais ce que je veux. Là je fais du jeu. Mais après tu vois hier c'était pareil, ils ont joué en scramble contre moi. Donc tu vois moi il faut que je me concentre quand même, tu vois, je pars en compte. Ouais. Parce que Romain nous a dit, ils ont comme objectif, comme objectif d'avoir des greens à 3-10.
3-10, ça roule énorme. Ouais, nous, moi, c'est top. C'est aussi pour ça que je fais beaucoup de putting ici. Et j'entraîne beaucoup ici parce que justement, ça permet d'être en bonne condition pour le tour européen. Quoi. Ouais, bien sûr. Non, mais en fait, on te l'a pas dit non plus, mais ce matin, on en a foutu partout. On commence avec le plus sympa. Ah ouais, là, c'est. Il y a beaucoup de trop tordus. Ouais, ben c'est parti, c'est un par 4. C'est un par 4, il faut mettre en jeu. Moi je vais taper un fer 3, je pense. Ok, je vais taper un fer 5 moi. Ouais, et si tu l'as, je ouais, tente de couper. Bon, ben c'est parti. Hein. Bonne partie, les gars. Bonne partie. Le trou est sur la gauche. Ouais, ça c'est pas idéal. C'est tout droit en fait, qu'on se le dise, là c'est tout droit. Enfin je veux dire. L'idéal c'est le bord des arbres. Ouais, super cool. Ouais. Il est incroyable celle-là, hein. 10 sur 10. Oh yeah. Oh 10 sur 10 Luc. Fais taper le drive. Allez. Gros début de saison là, Romain, quand même. Ouais, solide. C'est cool là. C'est mon début de saison le plus solide depuis trop bien. Début de ma carrière. Et aussi. Pro depuis combien de temps? Pro depuis avril 2016. Ok. J'ai fait le Masters en 2016 et je suis passé pro. T'es passé pro très jeune. Ouais. À 20 ans. Ouais. On en reparlera, mais on a regardé un petit peu ta biographie. On a vu des trucs. On t'en reparlera après. Mais c'est... Ouais, des trucs cool. Donc là, je passe au-dessus. Trop cool. Tu passes au-dessus et tu vois la balle de ton frère. Ouais. Tu peux finir 30 mètres à gauche. Oh, ça peut être pas mal ça. Ça revient un peu, mais. C'est un poil trop à droite. C'est un bon shot, mais un mètre trop à droite. Bien, Tom. Vous m'avez quand même sorti, j'en ai pas tapé une ce matin. Non mais c'est vrai. C'est le seul. J'ai pas mis un drive comme ça ce matin. Il a pas mis un drive ce matin comme ça. Première question qui me tient à cœur, celle-là. Ouais. Et qui tient à cœur, je crois, j'ai l'impression de beaucoup de golfeurs. Attends, hop, je te cache pas. Trou numéro 1, tee numéro 1. T'as Romain Langas qui est derrière moi. Ça fait quelque chose quand même, tu vois. Ouais. Cool. Donc t'as fait quand même des beaux tournois dans ta carrière. Le stress du tee numéro 1, tu l'as? C'est ce qu'il y a de plus dur. C'est ce qu'il y a de plus dur. Très sincèrement, il n'y a pas eu vraiment plus de situations où j'ai ressenti plus de stress. Par exemple, trou numéro 1 de l'Open de France, bah, okay. J'ai rarement été aussi stressé de toute ma vie, enfin, surtout à mon premier Open de France. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus dur parce que tu lances ta partie, tu vois. Après, une fois que la partie est lancée, tu es dans ton truc. Mais là, c'est comme démarrer, je sais pas, c'est comme démarrer une voiture ou quelque chose. Et comment tu fais donc du coup pour le gérer? T'as des trucs ou t'as... Bah moi je me rattache beaucoup à ma routine, tu vois, okay. De A à Z. Après, je pense que ce qui va être sur la respiration et tout ça, ça va aider aussi dans cette situation-là. Bon, ce qui m'inquiète, c'est que je vois pas votre balle. Aucune des deux? Aucune des deux. Ah non. Je te jure hein, que je... Ah là, il y en a une là. Ah là-haut, ouais, là-haut. Si courte. J'avais un fer 5, hein. Ouais, mais il me chambre là. Mais... Tu commences à passer à 120 là, comme ça. Je crois que tu tapais comme ma petite sœur. Je sais pas. Oh, stratégiquement, ça remonte. Oh. Il savait que t'étais dans le. Tombe. Tombe. Il y avait plus de vent tout d'un coup, non? Ouais. Oh non. Et du coup, elle est très proche. Regardez, Luc est là-bas, là, qui cherche une balle. Luc, il a pas vu. Elle se joue, Luc. Ouais, elle se joue. Oh yes. Je pense que Romain s'est mis à 2 mètres, là. C'est vrai? Ouais. Wow. 73 avec la montée, je pense, 80. Vous avez combien? 71. Vous pouvez la pas tomber minimum 6 mètres court, pas plus court. Non, mais tu crois qu'on est à... Ok, Luc, plutôt 5 mètres plutôt que 7 mètres court, tu vois. Je vais essayer de la sur le grill déjà. Tu fais quoi là? Je sais pas. Ça vous le mettez dans les vidéos? Ah oui, bah oui, ils sont en vie. Je sais pas ce que j'ai fait là. Oh non. Ah, faut que t'avances. Avance. Faut que t'avances. Pas mal. Ah, c'est court. Mais elle sera là, allez. Mais ça aurait pu être pire. Genre ma balle quoi. J'ai eu le pressure is on you, tu sais, qui a dans la tête. Qui a tourné dans la tête. Ouais, là c'est ça bloque zéro là. Ouais, mais par contre, j'ai jamais fait un shot aussi nul. Ouais. Un bon shot dessus, un shot aussi nul. Mais en vrai, je vous assure, enfin, vous pouvez l'imaginer, peut-être derrière votre écran et tout. Enfin, quand t'es fan de golf, quand tu trucs et tout. Ah, là, c'est super mec, en fait, c'est super agréable. Ouais, il est génial. Donc en fait, c'est juste. C'est incroyable. Ah, t'es bunker là? Non, je suis green. T'es sûr de ça? Ouais. T'avais combien de mètres de là-bas, Romain? 151. Ouais, quand même. Allez, Luc. Keep.
Stop. Elle est bien touchée, ça. Allez, avance. Bien joué, ça. Oui, oui, oui. Stop. Bien, Tom. Super shot. Là, ça glisse, hein. Là, ça glisse. C'est pas que ça allait rouler comme ça. Tu donnes pas ça. Non. Toi, oui. Non. Je vais marcher sur ma ligne, y'a pas de problème. Ça me fait plaisir. Il te dérange ou pas là? Ah si, il va te déranger, complètement. 0-0. T'es sûr? Pas du tout. Hey, j'étais vraiment sur ta ligne. C'est bon, ça on donne par contre. Oui, ça on donne. Ça va, merci. Ah, je prends de la pété. Allez. Non! Ça c'était un bon putt. De merde? De merde. Oh, on n'a pas le droit sur ça là. Bon, on va essayer de pas s'écrouler les amis. Hein. Parce que là, il nous a pas sorti son drive encore. Hein. On pouvait encore concurrencer. Ok, trou numéro 7. Oh, c'est un par 5 ça. Hein. Un par 5 en dogleg droit léger. Ok. Taper environ sur le bunker, c'est mieux du fairway là. Elle monte, elle est plate comme ça là. Optimisé. Ah ouais, optimisé, celle-là. Exact. Ouais. Sur la partie gauche du bunker de droite, t'es bien, non? Ouais, ouais, je pense. Elle a pris le chemin, elle prend le chemin, elle a pris le chemin. Voilà, franchement, même toi, t'aurais pu driver. Hein. Ouais. Parce que la retombée là-bas est comment? Tu la perds pas dans tous les cas. Après, ok. Il y a des arbres un peu partout, mais. Oh, oh. Punaise. Parfait. Bravo Tom. Hey, j'en ai pas souvent des bravo Tom aussi sincères et honnêtes de mon frère. Ouais, c'est vrai. C'était... Parce qu'avec ma capone là, je te jure que le tout d'un, je le voyais venir, mais très très vite là. Bien joué, punaise. Putain, mais il faut te mettre la pression hein, toi. Hein. Putain, ouais, mais... Vous êtes là. Tu me répètes, on est où? Vous êtes là. Là, quelques mètres derrière, ouais, c'est ça. C'est ce que tu... 50 mètres devant, non. Et en ayant mis le drive de ta vie. Ouais, oh non, mais... là, on prend méga cher. Mais c'est à nous, Luc, là, en fait. Hein. 204 mètres. 204 ah, mètres. 204, bon, avec, yeah. Faire 5. Ouais, vas-y. Ah. Fallait pas s'appuyer autant à droite, mais... Pas de bobo. Pas idéal, mais y a pas de bobo. Tourne. Eh, bon swing, ça, dommage. J'aime pas du tout tourner vers les balles dans ce sens-là. Je la vois tous les deux, vous êtes... ouais. Bon, on va voir. On va voir. Tu fais quoi là? Allez, fais un petit low hook. Je vais faire un hook, mais je sais pas encore de quelle façon. Parce que là, pour la petite anecdote, tu as 200 mètres. Y a une bonne curve de 30 mètres à faire là, non? J'ai la pente et tout, donc c'est pas si quête. Hein. Ah oui, pied en pente, donc il y a le... Oh, là. Oh. Je sais pas, mais... On verra, mais je pense qu'elle est parfaite. Oh là 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 là. Oh, c'est chaud. On verra, mais je pense qu'elle est parfaite. Là, c'est quand même la personne qui tape le mieux la balle qu'on ait jamais vu là. Jamais, oui, je pense. Et t'as pas vu son shot de O1, enfin le premier shot, son coup de fer. La balle est restée en ligne tout le long. Il a relevé son pitch à côté du trou. Oh, regarde où il est. Oh là là. Non, en fait, là, on est obligé de faire birdie, quoi. Non, mais regarde où il est, là. Là, je sais, j'ai vu. Attends, je vais chercher ma... Je sens pas le shot, quand même, là, non? Deux up après quoi? Après deux? Mais non, mais là, on plante, là. Ah, vous toi, tu fais deux putts, et puis voilà. Ok. Allez, montre-moi tes mains de magicien, Luc, là. Il en fallait un peu plus. Allez. Ah, non. Il se fout de ma gueule, là. Tu le vois pas, il est en train de se foutre vraiment de ma gueule. Allez, allez. Pas mal, ça. Roule. Très, très bien. Roule. C'est très, très bien fait, ça. Bravo. Propre. Oh, le petit top. Des fois, ça devient flou, non? Hein? Des fois, c'est flou, non? Ah bon? Ouais. Par contre, vraiment, ton shot, là, c'était... C'était un joli shot. Ouais, franchement. Très, très, très propre. T'as un petit? Birdie donné. Ouais. Merci. Tu veux y aller en premier, Tom, ou... Ouais, j'y vais. Non, mais j'y vais, hein, si tu préfères. Hein. Ouais, vas-y. Oh, je l'aime pas. Ah, cette fois-ci, c'est toi, là. Ouais. Oui, Tom. Ah. Solide. Ouais. Merci. Ça veut dire équipe de France? Ouais, c'est le capuchon des JO.
Oh oui. Ah oui, JO 2020. Ah vas-y, bah on va revenir sur ton palmarès de toute façon un peu. Hachimta, bien joué. Oula, il va où celui-là? Du coup, la part 5 encore. Double edge gauche. Ah. Un peu trop à droite. Ouais, un talon. Un frein sur le fairway. Ok. Elle va être là, non? Pas de problème. Ouais, bien joué, Luc. Balle! J'ai essayé de faire un truc que je savais pas faire. T'as essayé de faire un genre de fade. J'ai essayé de faire un low, en, low sans spin là, mais. Ça va que le frérot il est plein fermé. C'est pour ça qu'on est à deux en fait. Ouais, tout brothers, tu vois, ça sert à ça à la chaîne. Même des jaunes, je suis quand même un peu content, tu vois. Il y a combien là? C'est à partir de deux down que vous allez au bleu. Oh. Non mais on est encore one down là. Oui c'est pour ça, mais c'est à partir de deux que vous allez on au bleu. On s'est dit que on n'avait pas envie tout de suite d'aller au bleu, tu vois. Ouais, parce que normalement on devrait être des bleus, mais... Mais bon, c'est dur. C'est dur, tu vois. C'est dur à assumer. Parce qu'il y a la fédé en plus derrière et tout, tu vois. 242 mètres, tu veux que je bouge la voiture ou c'est bon? Non, c'est bon, c'est bon. On va voir ton petit singe là. Wouah, mais... Incroyable. Ah ouais? 30 green, vol. Dommage, tout petit peu talon. Tu joues dans les deux sens? Bah là c'est la pente. Moi je joue beaucoup en draw mais quand il y a la pente comme ça je suis obligé d'utiliser. Ah ouais voilà, la pente. Question effet naturel et avec celui que tu préfères c'est le draw? Draw tout le temps. Draw, ok ouais. Et quand tu vas avoir un double leg droit? Tu peux taper un draw, je tape un draw. Ah ouais quand même. Ouais. Okay. Peut-être y en a un qui peut taper court et l'autre je sais pas, comme vous voulez. Mais vas-y Luc, tu mets le fer 5. Ouais. Trop bien. Elle sera là non? Ça va, ouais, très bien. Bunker, cool. Ah dommage. Balle. Ah, je suis sur le green. Bah oui. Bah oui. C'est pour ça que t'as crié. Ouais. Je savais pas qu'il y avait un green là-bas moi. Bon là, il va faire deux putts. Oui. Il est sur green. C'est pas la même hein. De quoi? Bah il touche tous les greens et il... Ouais, là ça fait pas d'erreur mec. Bah ça fait aucune erreur. Et quand ça fait une erreur, il est rough. Il est pas hors limite. Là, ou avant tu vois, il m'a dit il était pas très bien tapé son coup de drive, un peu talonné truc et tout. Ouais. Mais il est plein de fairway, il a un shot. Ouais. Il est planté le drapeau là. Oh Tom. Il a planté le drapeau de l'autre green. On peut aller là-bas directement. On change de green, hein? Joker. 67. Pardon? La pente à l'intérieur. Gauche. Ouais. Je sais que tu t'en fous. Mais... T'as vite compris. Avance. C'est la même. Allez, ça se rentre encore ça. Ça peut se rentrer ça encore. S'il nous fait pas... Non, il peut pas faire 3 putts là. Il est long encore hein. Bon après il peut le rentrer aussi. Ouais c'est vrai, que... C'est celle-là. On va faire mal pété. C'est très mal pété. Oh. Allez Luc. Oh c'est chargé. T'as un putt de retour plus long que ton premier mec. Oh l'enfer. T'avais de l'Iman, toi, non? Ouais. Avance. Allez. Oui. Ah dommage. Faut faire. Merci. Oh. Ah. Elle a sauté un petit peu là. Je sais pas. T'étais un peu quand même à droite, non? Intérieur droit. Je un petit peu, ouais. Bon bah, one down. One down toujours. Allez, Tom, on s'accroche. Ah ouais, là, mais on s'accroche à tout ce qu'on peut là. Ouais, ouais. Moi, je vais chercher ma balle, moi ou pas? Ce serait... Par contre, les gens vont pas comprendre. Putain, mais il était super bien. Pourquoi il l'a laissé là, ce con? On arrive au trou numéro 4 de notre vidéo, quoi. Beaucoup de trous à l'aveugle en fait. Ouais. C'est un peu la spécialité. Enfin, parfois ici, c'est qu'il y a que des deux legs gauche. Bon, celui-là qui est très de face. Les gars, on arrive à la fin de cette première partie. Dernier trou de cette première partie. Ah ouais, quatrième trou. Bah oui, quatrième. Oui, oui, oui. All square. Ah non, non. One down. Mes excuses. Ah, autant que ça? Ouais. Mais non. Mais pas autant que ça. Alors, je pense qu'elle est parfaite.
Oh non mais... Et elle était à gauche, mais je pense qu'elle est parfaite. Mais là t'as arrêté même pas, c'est pas un draw là, t'as fait un hook là. Ouais, un draw parce qu'un hook ça va être bas, bas et ouais, là, c'est très haut en draw mais... On peut pas l'entendre nos bêtons. Ah ouais, attends, je fais pas de hook moi. Un hook, mais il me parle. Il con lui. Ouais, donc amateur, tu passes pro en 2016, c'est ça? Ouais, exactement. Attends, 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 parce qu'avant de passer pro, j'ai gagné le British Amateur. Ok. Donc, qui est. Il y a British et US Amateur, comme British Open et okay. US Open. Donc, j'ai gagné ça chez les amateurs, ce qui m'a ouvert les portes du Masters. Ok. Et ce qui m'a aidé à faire mon passage pro. Ok, donc, d'accord. Attends, mais on en parle de ce Master. Franchement. Pour non, ouais, le Master c'était incroyable. Wow. Ok. Allez, t'as une balle? Et j'ai une balle, putain, mais. Allez, t'as jeté mon tee comme ça, ok. Mais j'en ai un. Mais garde-le dans ta poche. Tu peux même taper idéalement, tu vois la boule bleue là? Tu tapes sur la boule bleue. Celle-là? Ouais. Un peu à droite de ça, comme ça que si t'ailles à gauche ou à droite. Ouais, mais en fait, s'il ah ouais. tape bien. Oui, mais si, il tape bien. Oui, mais c'est toi. Si, mais sans faire 5, il le secoue bien. Bien. Très bon shot. Pas de problème. Et après, on rajoute tous les shots tresseurs derrière. Ah oui. Eh, hey, imagine quand même, on se fait 18 trous à chaque fois avec ça. Ouais, c'est lourd, hein. Bois 5 ou pas? Drive, drive, drive. Drive. Tu peux aller droit. Il va couper. Ouais, le premier là. Okay. Attends, non, non, là, là, là. Celui là, là. Ouais, ouais. Oh, mais c'est un par 5 encore ou quoi? Par 4, par 4. Si jamais il fait le coup de l'année, il peut être sur le green. Oh! Mais je l'ai pas bien elle est pas bien touchée. Ouais, mais alors en carré il y aura pas de problème. Je pense qu'elle est trop à droite. Mais en carré il y a pas de problème. Je suis méga haute en pointe. Mais bien, Tom! On t'annonce une ligne, tu la tiens, punaise, c'est fou ça! Ça arrive t'arrive. Pas souvent sur notre chaîne. Mais attends, ça fait 3 tiens. En 4 drives. Hein. Mais oh, grave! Ouais. Carrière amateur. Carrière ouais. amateur, donc je gagne le British amateur. Ce qui m'ouvre. Okay. Bon, avant ça j'avais quand même gagné. J'ai fait une grosse saison parce que après le British amateur j'étais numéro 3 mondial amateur. Donc. Okay. Et devant moi c'était John Rahm et Bryson DeChambeau. Incroyable. Donc voilà, et puis après bah, le master. Donc je fais la rencontre contre Bryson qui s'appelle la Georgia Cup. Tu gagnes non? Vainqueur du US Amateur contre vainqueur du US Amateur où je gagne 4 et 3. C'est énorme. Et après, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Après bah, le Masters. Il y avait eu le British Open aussi où j'avais passé le cut à Saint-Andrews. Et ensuite bah, Masters et je passe pro la semaine d'après en Égypte sur le Challenge Tour. Ça doit être dur de faire Master Challenge Tour. Ça fait spécial, mais non? Bon, c'est ce qui m'a permis aussi, je pense, de faire un bon début de saison sur le Challenge Tour. Parce qu'il y avait tellement de stress au Masters qu'après j'étais quand même vachement détendu. Quoi. Ok, ouais. Et Challenge Tour, tu montes direct Challenge Tour, première année, je finis 9ème et je monte direct sur le Tour européen. Idéal, quoi. Ouais. Bon, après, je perds ma carte du Tour européen. Ok. Et je la récupère l'année d'après. Je la perds, je la gagne direct. Et là, on est en 2019, où je fais ma meilleure saison sur le Tour européen, où je termine 20... pas dire si, mais je crois que c'est 24ème de la race au Dubaï. Ok. Et en 2020, ça c'est 2019, en 2020, je gagne mon premier tournoi. Et après, bon, après ça a été moins... un petit peu des hauts et des bas, mais... Et là, ça revient bien, alors. Et là, un très bon... Cette année, c'est cool. Je crois que j'ai fait... 5 top 20, donc 2 top 10. Non, c'était bien. Là, sur les 3 derniers tournois, je crois que c'est ça, c'est 2 top 10, un top 20, quelque chose comme ça, quoi. Ouais, exactement. Vous avez l'impression que j'étais énorme à gauche. Mais ouais, non, mais. Alors qu'en fait. Moi, j'avais l'impression que t'es. Ouais, ouais. Oh, ouais. C'est propre. Tombe. Nous, quand on dit tombe, c'est qu'elle. C'est parce que. Elle est 20 mètres derrière, je tombe. Ah, c'est pas la même, moi. Et donc ouais, je voulais te poser la question, dans ton jeu, t'as un point fort, un point faible ou tout est un peu... En 2019, quand j'ai fait ma meilleure saison, j'avais un très bon driving, très bon putting. Ouais, bah ouais. Et là, l'année dernière, c'était un peu plus up and down. Et là, depuis le début de saison, c'est la première année où tous les compartiments de jeu sont ouverts. Oh, donc c'est en train de... C'est pour ça aussi que je suis aussi régulier, parce que j'ai plus de compartiments de jeu assez faibles. Okay. Où avant, j'avais un chipping un peu moyen et un jeu de fer qui pouvait être un peu moyen, où là, ça devient plutôt solide. Okay. Il y a un truc que tu préfères? Le driving. Driving? Ouais, je drive beaucoup moi. Ok. Vol. Ouais, ça. Tombe. Ah ouais? Oh putain. Vol. Non. Bien. Bien, frangin. Ouais, non. Mais comment, t'es, pourquoi t'es long comme ça? Je sais pas. Bien, Tom, super. Très bien joué. Allez. Vas-y, je branche ça. C'est pas hors limite, c'est obstacle d'eau derrière. C'est le genre de détails que moi j'aime bien. Parce que t'es pas obligé de rentrer là-bas. Exactement. Allez, ça se rentre ça, Luc. T'es un petit droite-gauche. Ouais. T'es en droite-gauche là? Ouais. T'es sûr de ça? Ouais. Je te jure. Très léger, droite-gauche.
Bien lu. Bien Luc. Bien Luc. Oh, ça vient bien ça. Allez, allez, allez. Oh yes. Tu la voyais belle, non? Oui, j'avais plein trop tout le long. En dessous, dommage. Dommage, dommage, dommage. C'est un beau putt aussi. Le putt pour passer. Tout up. Tout up. Oh, oh non, non, non. Il serre le point quand même. Ah, il serre. Il serre le point, ça veut dire que. Oh non. Là, on va partir des rouges. Deux up. Et Mac. Two up. Joli putt. Ouais, joli putt, très bien joué. Bon, les amis, Romain. On espère que cette première partie vous a plu. Merci beaucoup encore Romain. Grand plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie. On fera 5 trous sur ce retour. Romain. Avec la grosse remontada. Évidemment, évidemment. Il y croit pas, Romain. Romain est tout up pour le moment. Et puis si ce n'est pas déjà fait, les gars, n'oubliez pas de vous abonner. Petit bouton like et la petite cloche. On se retrouve la semaine prochaine. Merci encore Romain. Merci à vous les gars. À plus. Ciao.